Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui c'est sur notre nouveau bras zéro. Alors on est toujours sur un produit fabriqué intégralement dans nos ateliers, Made in France, pur et dur. C'est un bras zéro à la hauteur d'un manche debout. On est aux environs des 1 mètre, on est exactement à 96 cm de hauteur. C'est la hauteur standard des comptoirs manche debout. C'est un bras zéro qui a une surface de cuisson qui est carrée. La cote du carré est de environ 74,5 cm. En fait, il fait 75 cm d'encombrement, mais la plancha à l'intérieur, elle fait 74 cm. Ça laisse du jeu pour la dilatation. C'est une plancha en acier qui fait 10 mm d'épais. Elle est recouverte d'une grille en acier aussi, qui fait elle aussi 10 mm d'épais. C'est une grille surélevée et on a soudé dessus la collerette directement de manière à ce que ça ne tombe pas. Les ingrédients en cuisson ne roulent pas et ne tombent pas dans le feu. J'enlève ma collerette. J'enlève ma grille supérieure. Le diamètre du trou est de 40 cm. La hauteur du foyer est de 25 cm. Et là, on n'est pas sur un foyer de type fond bombé. On est sur un foyer carré conique. On a une gestion des cendres avec une grille à braise qui est soudée au fond du foyer et un tiroir à cendres. Donc c'est hyper facile de gérer les cendres pour redonner du tirage ou pour toute autre raison. Hein. Pour un restaurateur qui a un service de 3 heures environ à gérer, tout dépend avec quel combustible on cuit, bois ou charbon de bois, briques de charbon compressé, serment de vigne. Tous les combustibles génèrent pas la même quantité de cendres et du coup c'est assez top de pouvoir vider ces cendres en cours de cuisson, ça redonne du tirage au feu. J'ai une niche à bois sur ce bras zéro qui est sur roulette. Toutes les roulettes sont pivotantes, c'est des roulettes de super qualité à bandage bleu, non tachant. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm, hein, ça surélève le bras zéro d'environ 12 cm. Donc ça fait 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein. Et pour terminer, les tablettes amovibles. Alors on est vraiment sur un produit qui est hyper chaudronné. Ce n'est pas un produit de grande fabrication en série, c'est un produit qui a été très bien fini, qui a été fabriqué par mon chaudronnier ainsi que le reste de l'équipe. Donc tout a été fini. J'enlève la tablette, c'est une tôle d'inox pliée avec quelques points de soudure rapides. Et j'enlève les supports de ma tablette, tout simplement. Si jamais je peux, pour diverses raisons, hein, soit esthétique, soit pratique, en fonction de soit la prestation pour un traiteur, soit les exigences que vous avez, je peux modifier la hauteur des tablettes ou les enlever carrément. Les deux tablettes sont fabriqué dans le même procédé, c'est hyper léger, hein. Ça fait à peine un kilo, même pas. Il n'y a pas de boulon, pas d'écrou, il n'y a rien qui se vise, tout est soudé. Voilà. Et pour le remontage, c'est pareil, hyper facile. N'hésitez pas à nous consulter si vous voulez connaître le prix ou alors d'autres informations techniques sur ce produit. Voilà avec quelle aisance je le fais pivoter, je peux le transporter d'une main. Alors qu'on est sur un produit qui fait plusieurs dizaines de kilos, hein, c'est vraiment un produit qui est en acier d'une épaisseur de 3 mm pour le foyer, un petit peu plus fin pour la niche à bois, et qui est très robuste, très solide, tout est en acier. La plancha avec un bon culottage, elle est vraiment moins sujet à la corrosion et elle se déformera vraiment pas. Il faut bien la culotter. Il y a une vidéo aussi concernant le culottage des planchas en acier. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment renseigné au mieux. N'hésitez pas à nous solliciter sur le contact @bbqsavie.com via notre site internet, hein, faire une demande de prix. Ou alors au 04 78 76 46 10. Merci, au revoir.